Hello la team Poppy, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous avez la forme. J'ai fait une trouvaille, une découverte de zinzin. Il faut absolument que j'essaye de trouver justement ce que j'ai vu avec vous en votre compagnie. Il y aurait peut-être un modèle de Dog Day, un modèle complètement inconnu, un peu secret. C'est genre un autre Dog Day en fait, c'est un Dog Day un peu robotique. Je sais pas du tout si c'est vrai. En fait j'ai l'impression que je vais faire une vidéo un peu mythe, sauf que ça va être basé sur un mythe. Mais en gros je vais suivre les instructions que j'ai pu voir dans la vidéo où j'ai vu ça. On va essayer de reproduire tout ce qui a été montré et on va voir si on arrive à tomber nous aussi sur un Dog Day secret. Donc c'est parti les amis, nouvelle vidéo, on replonge dans le chapitre 3, on y va. Bon bien évidemment ce que je vais devoir faire c'est que je vais devoir me barrer d'ici parce que ça c'est mon dernier point de sauvegarde, je suis dans Home Sweet Home et il faut tout simplement que j'aille au niveau de la Playhouse tout simplement hein, vu que c'est là-bas qu'il y a Dog Day. Donc je vais me casser directement les amis, on se tire d'ici. Heureusement qu'il y a les mods, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Mais du coup ouais j'ai trop hâte, vous allez voir il faut en gros partir en avance avant que Dog Day il commence à vouloir te poursuivre. Il faut déjà commencer à faire la course poursuite sans que Dog Day te court après, enfin de courir après, il a pas de jambes donc c'est un peu compliqué. Te rampe après à la limite on peut dire, mais du coup vous allez voir, il y a pas mal d'étapes à réaliser et peut-être qu'à la fin ça va donner un résultat de fou, on verra. Bon du coup regardez ce que je fais à chaque fois parce qu'il y en a qui se poseraient peut-être la question de est-ce que je refais le jeu à chaque fois pour faire mes expériences etc etc. Bon là ça bug déjà non? Non c'est bon, j'ai les mods qui peuvent m'aider un petit peu, voilà des fois je suis obligé de refaire des étapes de mon côté mais la plupart du temps heureusement je peux quand même gagner du temps grâce aux mods. D'ailleurs allez on peut pas aller dans la playhouse ici, en fait le seul moyen d'aller dans la playhouse rapidement c'est que je dois passer par l'école en fait, donc je dois traverser ici. Heureusement que l'école, elle est texturée. Et ensuite, je peux directement enchaîner. Bam, aller à l'école. Bon, après, aller à la Playhouse. Je suis dans l'école. D'ailleurs, normalement, c'est encore Ban Balina. Il me sent... Ah non, non, non. Ah, mais non, non, non. J'ai enlevé le mode, c'est vrai. On a fait un mode, il y avait Ban Balina. Donc, si jamais, n'hésitez pas à aller la voir. Parce que c'était vraiment très intéressant de voir Ban Balina à la place de Miss Daylight. Qui est toujours aussi terrifiante, hein. Vraiment. Hein. Par contre, elle a une belle dentition. C'est tout ce qui lui reste. Bon, allez, on se casse. Et d'ailleurs, je vais vous faire profiter, bien évidemment, de la petite mort de Miss Daylight. Si c'est pas bugué cette fois, mais je pense que c'était à cause du mode. Donc, on va voir, les amis. On va tout simplement se rendre ici et regardez ça. Attention, bam, Miss Daylight, c'est ciao. Voilà, petite main de Miss Daylight, sûr de bien commencer tranquillement. Et en plus, comme ça, on est sûr de charger le reste du jeu pour pouvoir accéder à Playhouse. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des bugs. Mais normalement, si on a une transition ici, voilà, c'est que c'est bon. On va enfin pouvoir avoir la suite. On va avoir la suite avec Playhouse, tout ça. Ça devrait normalement bien se passer. Allez, à partir de là, hop là, je peux prendre ça. D'ailleurs, t'es obligé de récupérer le pistolet pour pouvoir ici, aller ici directement. Et là, normalement, je devrais pas avoir de problème. Regardez ça. On va se mettre un petit peu de lumière. C'est quand même vachement plus agréable. Et voilà, j'ai juste qu'à voler comme ça, donc vous avez vu, ça me fait quand même gagner beaucoup de temps. Hein. S'imagine, je devrais refaire tous les parcours, les trucs de courant, etc. etc. J'en aurais pour un bon moment. D'ailleurs, même ici, je suis pas obligé d'actionner la main bleue. Je peux directement venir ici, il y aura une transition. Et voilà, là maintenant, à partir de là, on est à Playhouse. Donc, t'as vu, j'étais à Home Sweet Home et en à peine genre 2 minutes, et eh ben on est à la Playhouse et on va pouvoir expérimenter l'expérience du jour. Enfin, commencer l'expérience du jour. Alors, petite vérification quand même. Normalement, c'est bon, c'est bien texturé. Donc, je vais essayer de trouver la prison rapidement. Bon, là, c'est l'endroit secret. On a déjà eu l'occasion de découvrir tout ça, hein, l'endroit un peu souterrain. Donc la prison, la prison, la prison, c'est bien plus en arrière, il me semble. Voilà, on se met ici, c'est bon. Hop. Donc à partir de là, mesdames, messieurs, ça partait en vrille. Moi, je te le dis. Enfin, j'espère en tout cas. Donc ce que je dois faire, en gros, c'est je dois actionner la cinématique de Dog Day. Bon, vous êtes l'ange des poppies. Je sais, mon petit Dog Day, avec tes grandes oreilles, là. Je savais pas qu'on pouvait le coller autant, genre. Ouais, je suis vraiment littéralement collé. Je suis en train de faire un front contre fond, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire, Dog Day? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien faire du tout. Bon, du coup, ce que je dois faire, moi, en tout cas, c'est que je dois en gros me mettre ici apparemment et je vais devoir trouver un moyen de libérer l'accès. Donc si je fais ça, mince, pas du tout ça que je voulais faire. Je viens de supprimer, mince, je viens de faire des conneries, j'ai fait bugger le jeu de zinzin là. Il se passe quoi? Et le jeu est encore plus éclairé qu'avant, je comprends pas. Aïe 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 aïe, je suis en train de faire des conneries là. Bon, j'en peux plus, en vrai j'en peux plus. Alors, heureusement que tout ça avec le montage vous voyez pas. Et non, me dis pas, j'allais dire, me dis pas que j'ai encore des bugs. Bon, j'arrête la méthode d'essayer de supprimer les planches. Le meilleur moyen je pense c'est vraiment que je fasse ça et pas ça. Voilà, et là normalement à partir de là, oula attends, ça glisse là bizarrement. Wow. J'ai des petits soucis. Bon, on va voir. Je vais essayer de faire la course poursuite, les amis. Mais attends, mais je me déplace de manière trop bizarre. Mais il y a rien qui va aujourd'hui. Je ne comprends pas. Il y a rien du tout qui va. Ok, c'est bon, les amis. Donc là, je vais essayer de voir. Je vais essayer d'avancer et on va voir si. Mais attends, mais je suis bloqué de fou. Bon, heureusement que j'ai pris pas mal d'avance. Là, le but en fait, c'est de faire vraiment la course poursuite tout seul, en ayant de l'avance sur Dog Day. Et normalement, en faisant ça, il y aura moyen, si tout va bien, d'avoir un modèle un peu spécial. Mais ouais, mais j'ai des bugs de partout. Je pense qu'avant, on n'était même pas obligé de s'accroupir. Donc je sais pas si à un moment donné, on risque d'avoir un Dog Day parce que là, il est toujours en train de parler. Mais on sait jamais. Oui, il y a les smiling creatures. Par contre, ah, oh, oh, il est venu d'un coup. Ils sont venus d'un coup, ça bug.
Ça bug, frérot. Ah! Mais attends, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nombreux? Mais what? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi nombreux, les so many critters? Mais what the fuck? Attends, les gars, calme. Dégagez! Mais ils sont beaucoup trop nombreux. La vérité, ils sont beaucoup trop nombreux. Ils me font trop peur. Regardez ça! Ils sont full buggés! Ah! Ah! Et Doc Depp arrive à tout moment là. Là, la construction s'est lancée. Ça fait peut-être partie du truc. Ah! Ah! Ok. Mais j'ai l'impression de plus reconnaître la course-poursuite. Je comprends pas là. C'est la même course-poursuite ou... Parce qu'il y avait des mises à jour entre temps. Oh, la musique s'excite. Ok, on y va les amis. On y va. Allez, commande. Toujours pas de Doc Day en vue. Ah! Il est là. Ok. J'ai pas la main violette. Je suis obligé de faire ça. Ok. Ouh, elle m'a fait trop peur la course poursuite. Bon, maintenant que cela est fait, voyons voir. Hop, déjà, est-ce que le Doc Day est là? Ouais, le Doc Day est toujours là. Bon, lui, on l'avait déjà vu. Hein, toujours aussi beau gosse. Regardez-moi ce regard. Regardez-moi ce sourire. Évidemment, il fait craquer toutes les filles. Enfin, toutes les chaînes, du coup, vu que c'est un chien. Et là, on a Huggy mort. C'est tout de suite moins sympa, pour le coup. Normalement, du coup, j'ai fait exactement ce que je devais faire. Et on devrait logiquement pouvoir trouver un modèle. Alors, je crois pas que. Non, c'est pas lui. Parce que lui, on l'avait déjà vu. Mais oui, il y a un Doc Day ici. Et lui, à mon avis, c'est le Doc Day. C'est lui qui est venu. Quand je suis arrivé là, il est sorti de là en fait. Mais son modèle reste. C'est ça qui est assez étrange. Parce que normalement, c'est censé être lui, tu vois. C'est bizarre que son modèle reste ici. Voilà, dans le tuyau, très clairement. Donc là, on peut revoir un Doc Day. D'ailleurs, il y a des toboggans vraiment de partout. Hein. Clairement, c'est une dinguerie, ça aussi. Tu vas peut-être regarder dans les autres toboggans. Il doit être quelque part. Hein. Normalement, j'avais vu. Attends, c'est encore un autre Doc Day celui-là? Attends. Il y a combien de Doc Day? Ah ouais, regardez, il y a un Doc Day ici. Il y a également, du coup, un Doc Day ici. En fait, il y a plein de Doc Day. Il y a des Doc Day à chaque tuyau, j'ai l'impression. Et là, moi, je viens de là, hein. C'est ça, hein. Ouais, moi, je viens de là, j'avais pris le toboggan et tout. Ok. Oh, regardez, j'avais pas vu qu'il y avait une affiche ici. Let's Boogie, avec tous les personnages. Incroyable. Trop stylé, en vrai, de vrai. Avec Bron aussi, là, qui est ici. Kissimissi, Huggy, Boogiebot. En fait, c'est tous les personnages des deux premiers chapitres, on va dire. Plus ou moins, ils sont quasi tous là. On a la petite momie qui est là. Non, très stylé, vraiment. Où est-ce qu'il peut être? Attendez. Maintenant, je crois que normalement, il est censé être ici. Normalement, le modèle secret, je crois qu'il est censé être ici. Ne dis pas que... Il y a un truc que j'ai mal fait, c'est pas possible. En gros, il est censé avoir un Doc Day accroché. Et c'est vrai que ça ressemble à des sortes de trucs où tu peux accrocher quelque chose ou quelqu'un. Mais ouais, je crois que c'est ça. À moins qu'il y en ait de l'autre côté. Non, vas-y, j'ai trop le seum. Je vais vous montrer, hein, si jamais la vidéo où j'ai vu ça, où il y a ce modèle-là, on va pouvoir comme ça revisionner ensemble et voir ce que j'ai peut-être potentiellement mal fait au cas où je devrais refaire. Mais là, j'avoue que j'ai un peu le seum. Je crois que c'est vraiment là, ouais. Attendez, on va regarder ensemble, les amis, parce que là, il y a un problème. C'est pas normal. Hop, je vais quand même me mettre ici, histoire de pas toucher Doc Day. On sait jamais par inadvertance. Attendez, on va aller voir. Regardez ici, je suis sur la vidéo en question et en gros, hop, dit il y a une méthode secrète pour pouvoir avoir le modèle secret. Ouais. Regardez bien ce qu'il fait. Donc il est tout simplement près de Doc Day. Il dit on doit d'abord s'échapper et partir avant Doc Day. Donc oui, sa technique c'était de se rendre plus petit pour pouvoir traverser, hop, les planches. Bon, moi j'ai fait la technique de vol, hein, ou de téléportation si vous voulez. Et là donc, hop, magie, il part. Comme moi j'ai fait pendant que Doc Day est en train de parler. D'ailleurs on l'entend, hein, en fond qu'il est en train de parler. Vous devez courir aussi vite que possible. Ça c'est ce que j'ai fait car sinon l'expérience ne marchera pas. Je crois que c'est parce que j'aurais pris trop mon temps. Ouais, je sais pas, je pense pas en vrai. Après c'est vrai que j'ai eu des dingueries avec les Smiley Critters. Les Smiley Critters continuent de poursuivre. Donc il arrive là. Ok, il tombe. Et là il est quasi à la fin. Ouais, on l'a perdu, that's good. Ok, donc on l'a pas, il est pas là. Donc normalement ça devrait être bon. Bon, moi j'ai eu pareil, tu vois. Quand je suis arrivé ici au niveau du toboggan, le Doc Day n'était plus là. Enfin, il n'était pas là. Il vient ici. Ok. Attends, mais où est-ce qu'il va là? J'ai bugué à partir du moment du toboggan. Attendez. Ouais, ça, on a fait aussi, non? J'ai l'impression qu'il est à un endroit différent du mien. C'est trop bizarre. J'ai pas le souvenir d'y passer par là, mais je pense que c'est parce que il a une vue un peu différente. L'éclairage n'est pas le même non plus. Donc, tu vois, là, il y a le Doc Day qui est arrivé. Hop. Il passe là au-dessus. Ok. Donc, ça sauvegarde. Il tue Doc Day. Et là, il se demande si l'expérience va réussir ou pas. Et normalement, il va faire comme j'ai fait là. Il va voler un peu. Et il devrait avoir le modèle secret. Et vous allez voir, le modèle est ultra stylé. Mais voilà, regardez, c'est ça. Vous avez vu? Il a un modèle de Doc Day ici, frérot. C'est une dinguerie. Pourquoi est-ce que moi, j'ai pas ça? En gros, c'est une sorte de Doc Day un peu robot avec des yeux rouges, tout ça. Et il est accroché littéralement dans les barres de métal. C'est une dinguerie. Pourquoi j'ai pas ça? Je comprends pas. On va quand même réessayer une fois pour voir si je peux pas avoir ça. C'est quoi ça? Il y a des... What? C'est moi? On dirait une sorte de mini grab pack là en dessous. Là, c'est quoi cette dinguerie? Trop bizarre en vrai. Mais ouais, il va falloir que je recommence. Parce que là, c'est pas normal. Ouais, il est fait de métal. T'as vu, c'est pas du tout le même Doc Day. C'est clair.
clairement un modèle secret. Et il y a même d'autres mains. Ouais, il a d'autres mains. Il a des sortes de gants. Non, c'est incroyable en vrai. Il faut qu'on recommence. Et on va voir si je peux y arriver. C'est vrai qu'il s'est passé que le petit truc avec les Smiling Critters, tout ça, tout ça. Donc on va voir. On va essayer. Il y a un monde où on réussit et où ça fonctionne. Et nous aussi, on pourrait avoir ce modèle secret qui est vachement stylé. On dirait Terminator, mais version Dog Day. Bon, on va essayer. Je vais devoir encore relancer le jeu et tout. Ah, c'est chiant. Si moi je pouvais juste enchaîner les courses poursuites, ce serait tellement plus simple. Allez, on se retrouve tout de suite, les BG. On n'abandonne pas. On va retenter et on va voir si cette fois-ci ça fonctionne ou pas. Ok, on est de retour dans la prison. C'est parti. Alors, on va enclencher la cinématique de Dog Day. Un petit Dog Day, c'est bon. Ensuite, moi je perds pas de time. Je fais ça, je me lâche ici. Et là, on est parti, les amis. Là, on est parti. On fait la course poursuite en rapide. Allez, 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 allez. Hop. Voilà. Là, on peut courir. On peut courir ici. Donc, il a dit d'aller très, 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 très vite. Dans le doute, je vais aussi également. Hop. Sortir mon pistolet. Allez, 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 allez. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. On y va. Ensuite, voilà, il est passé par là. On va à gauche. Heureusement que je connais vraiment par cœur. Ok, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Là, on se lâche. Voilà, on se lâche ici, clairement. Hop. Commande, 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 commande. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Il y a le moment où on va avoir le Dog Day qui va arriver bientôt. Donc, il a pris le toboggan là. Hop. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il a eu un autre chemin. Il a eu un autre chemin que moi. Ah. Ah, il est là, il est là. Dog Day, il est là. Ok, 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 ok. Voilà, ça se referme ici. Là, j'étais super vite. Mais il a eu un autre chemin que moi. Va falloir que j'aille revoir un peu. Mais du coup, est-ce que ça a fonctionné cette fois-ci, s'il te plaît? Dis-moi que oui. Non, ça a pas fonctionné. Attends, c'est là, hein. C'est censé être là, ouais. Ça a pas fonctionné. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai pas le Dog Day. Mais attends, mais même son endroit, il est pas pareil que le nôtre. Et attends, mais Dog Day, il est seulement en train de de faire la course poursuite. Ça me termine alors qu'il est littéralement là. Mais attends, attends, il y a un truc que j'ai pas compris. En gros, j'ai pris le toboggan ici. Mais lui, il avait pas le même endroit que moi. Et si tu prends le toboggan là, tu vas où en fait, concrètement? Ah, mais c'est là, mais je savais même pas. Je savais. Attendez, mais no joke, j'ai jamais pris le toboggan de gauche ou de droite. Je savais même pas que ça t'emmenait à un autre endroit encore. Ah ouais, je savais pas. Et lui, il est venu en fait de là. Ok, je savais pas du tout qu'il y avait un endroit comme ça. Et ça s'ouvre aussi également là. Ok. Au secours, au secours, au secours. Il y a combien de Dog Day, frère? Il y a combien de Dog Day? Attends, j'en retiens un deuxième Dog Day. Mais frère, il y en a combien des Dog Day? En fait, il y a un Dog Day par toboggan. Mais what? Regarde. Il y a deux Dog Day maintenant, normalement. Attends, il est passé où, l'autre? Il y a deux Dog Day, là? Oui, oui, il y a deux Dog Day, regardez. Mais attends, c'est n'importe quoi. Est-ce que là, il y a l'autre qui apparaît, là? Non, il apparaît pas. Je suis mort. Par contre, je savais pas du tout qu'on pouvait avoir deux Dog Day en mode de vrai. Attendez, bah, on va refaire pareil. On va prendre le troisième toboggan. Et on va voir, du coup, ce qui va se passer à ce moment-là. Ça, je savais pas, hein. Tu vois, il y a encore des trucs qu'on peut découvrir, en vrai. Ah, mais il y a encore un Dog Day, là. Et c'est le Dog Day principal, on va dire. Mais si je me lâche ici. Ah, mais attends, mais j'ai fait bugger le truc. Ok, non, je prends le toboggan. Voilà. Je vais là. Là, je vais avoir un troisième Dog Day, tu vas me dire? Mais non, impossible. Mais si. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des Dog Day dans les tuyaux, en fait. Au secours! Au secours! Ok. Et là, le troisième Dog Day qui meurt. En fait, il a plein de frères jumeaux. On nous avait menti ça depuis le début. On nous avait clairement menti. Enfin, on nous avait menti ça. On nous avait caché ça depuis le début. On nous a menti. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Allez, il y a trois Dog Day maintenant. Non, mais vraiment, c'est une dinguerie. Et là, bah, j'ai toujours pas le Dog Day caché. Hein. J'ai trouvé plein de frères jumeaux de Dog Day. Par contre, avoir le modèle caché comme l'autre il a eu, j'arrive pas à l'avoir. Et je sais pas du tout pourquoi, en fait. Ça rend fou. Eh, waouh, waouh, waouh! C'est passé quoi? Bah, je viens de mourir. Attends, je comprends rien. Il y a plein de problèmes, il y a plein de bugs. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je voulais aller revoir vite fait la vidéo en question. Donc, j'allais quand même mettre en pause le jeu. Bon, en soi, il a rien fait de plus que moi. Hein. Il est passé là, la porte s'est refermée. Et ensuite, bah, en fouillant, il a réussi à tomber sur ce modèle-là de Dog Day. Qui est vraiment très étrange pour le coup. Attendez, mais what? J'ai avancé un peu plus dans sa vidéo et regardez ce qu'il y a, mais what? Attends, mais il a mis. Comment il a fait pour me faire ça? Parce que même quand tu tires dessus, là on dirait une version... Je sais pas frère, il a une version un peu bizarre le frérot, je t'avoue. Il y a un Dog Day lumineux. Ah mais à mon avis, il doit avoir un truc d'éclairage je pense. Un mode d'éclairage à mon avis. Mais je sais pas du tout comment est-ce qu'il fait ça. Regardez, on dirait un... Je sais pas ce que c'est. Ouais tu vois, voilà, il a plusieurs modes d'éclairage. Ça doit être ça. En tout cas, il est très stylé hein. On dirait une version un peu Halloween. Vous trouvez pas? Une version citrouille genre de Dog Day. Il a un sacré flow quand même. Du coup ouais, il a ce Dog Day là. Et le modèle caché ici. Bon bah écoutez, c'est comme si j'avais fait une vidéo brisage de mythe. Mais pour un seul mythe. J'ai essayé deux fois, j'ai pas réussi. J'ai ramené tous les Dog Day possibles et inimaginables. J'étais même pas au courant qu'il y avait plusieurs chemins avec plusieurs Dog Day. On aura essayé.
Malheureusement, on n'a pas réussi à choper le modèle secret. Bon, je vous mets quand même la vidéo du gars dans la description. Parce que mine de rien, bah, on a quand même pu découvrir un modèle secret de Dogday, même si nous, on n'a pas pu l'avoir dans notre version à nous. Peut-être essayez de votre côté. Si vous y arrivez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Peut-être que vous, vous allez y arriver. Mais je vous avoue que là, je comprends pas ce que je peux vraiment faire de plus et sur quoi réellement est basé cet easter egg, on va dire. Donc voilà, mais j'espère quand même malgré tout que cette vidéo vous aura plu les BG. Si c'est le cas, vous me dites tout ça dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes pour continuer de soutenir la chaîne comme vous le faites si bien. Abonnez-vous, activez la cloche de notif, comme ça vous ratez rien des futures vidéos. Et on se retrouve nous dans tous les cas pour plein d'autres aventures, plein d'autres vidéos. C'était votre truc comme d'hab. Ciao, ciao.